feria, mais ce n'est pas un nous possessif. La feria appartient à tous ceux qui aiment Béziers, à tous ceux qui aiment nos traditions, à tous ceux qui aiment notre fête et notre façon de faire la fête en famille, entre amis. La batterie est chargée à 80%. Merci. Merci d'être là, parce que je l'ai dit, cela n'allait pas de soi. Nombreux, nombreux sont ceux qui voudraient qu'on ne soit pas là ce soir, qui auraient adoré que la feria soit annulée. Mais nous ne l'avons pas annulée. Nous n'allons pas l'annuler, nous n'allons pas leur faire ce cadeau. Parce que si on annulait la feria, alors, il faudrait ensuite faire quoi? Fermer les boîtes de nuit, fermer les campings, pourquoi pas fermer les plages? Il faudrait mettre des hommes en arbre devant nos écoles. Il faudrait que chacun de nous porte une arme pour assurer sa défense et celle de sa famille. C'est ça qu'ils veulent. Nous savons, vous le savez, nous vivons dans une époque dangereuse. Mais aussi, nous savons, vous savez, que ce n'est pas en restant cloîtrés dans nos maisons que ça ira mieux. On ne va pas faire ici les fanfarons, mais on ne doit pas non plus être des couards, des lâches qui baissent leurs pantalons à chaque occasion. Je le dis, je vous le dis, vous le savez, ici c'est Béziers. Et à Béziers, le peuple est fier, le peuple est insoumis, un peuple qui a mille ans de résistance derrière lui, des cathares aux vignerons de 1907, un peuple qui appartient à une civilisation chrétienne qui a plus de 2000 ans. Un peuple qui a son identité et qui y tient. Alors, quoi qu'il arrive, on doit continuer, on doit avancer, on va continuer, on va avancer. La feria 2016 sera une belle feria, une grande feria, une véritable feria avec des taureaux et pas seulement des vachettes de piscine. Nous voilà donc repartis pour 4 jours et 5 nuits de fête. Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges, des spectacles, de la culture, riche de sens, riche d'émotions, riche de rire et de joie partagée. Des chevaux, des taureaux, des animaux totémiques, des bodegas, des casitas, des concerts, du flamenco, du lyrique, et même une nouvelle tradition. Et oui, une de plus, nous allons procéder à une première. Dorénavant, nous aurons un drapeau, le drapeau de la feria. Il symbolise l'ouverture de la fête, de notre fête. Il est aussi, je vous le dis, un salut
à tous ceux qui ont fait, qui ont bâti cette ville, une ville de conviction, et vous le savez, vous l'incarnez, une ville de passion. Alors maintenant, nous allons monter en haut de ce mât, ce drapeau, nous le redescendrons lundi soir, après la corrida et le concert, pour la clôture de la feria. Et maintenant, la formule que vous attendez tous, chers amis, je déclare la Feria 2016 ouverte. Vive la Feria de Béziers, vive Béziers! C'est à toi. À vous, la personne de Paris. C'est canto que cante, canto pas perie, canto tema mio, que s'aprende ye, de xos mafenestu, laura. Et on se retrouve dans quelques minutes pour le concert, vous savez de qui, de Gilbert Montagnier.